avoir tout droit. Vous marchez que sur les trottoirs, hein? Oui. Au milieu. On va dans. Voilà, alors ici on a vraiment la proximité avec l'église de Saint-Charles, c'est le côté de l'église hein, qu'on voit ici, pour vous montrer qu'elle fait partie intégrante de l'établissement. Et c'est un ensemble, en fait une entité, donc c'est pour cette raison que je pense que d'un point de vue de l'architecture et de l'histoire, on ne peut pas séparer les deux. Voilà, donc on a la proximité ici avec l'église, et là où nous nous trouvons, en fait, avant c'était le cloître. Donc c'était bien plus profond que ça. Et on ira vous montrer maintenant où se trouvait le cloître un peu plus tard dans la visite. Voilà, donc c'était un ensemble ici qui vivait en autonomie. Hein. Il y avait, enfin, c'était du temps des jésuites, hein. Il y avait tout ce qu'il fallait pour que leur vie s'organise. Mais, si vous voulez, du temps des Pères Jésus, c'était quand même ils étaient ouverts parce que, d'une part, d'un point de vue éducatif, ils appliquaient la règle des études communes à tous les collèges jésuites. Et il y a certaines choses qui ont été gardées même maintenant. Alors, c'est eux qui ont inventé la distribution des prix, qu'on a gardé jusqu'en 1968. Et aussi le théâtre, hein, ils organisaient le théâtre. Et puis, ils ouvraient le collège et le soir, il y avait c'était des soirées culturelles en quelque sorte. Et les gens de la ville de Bastia disaient que bon, on allait chez les pères, comme on disait à Bastia, et il y avait des soirées culturelles où on parlait de différents sujets. Voilà. Ils étaient ouverts sur la ville, hein, ils comptaient beaucoup pour la ville. Voilà, on continue ici.